Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence Concept Linda Déco. Moi c'est Linda Azoni, je suis CEO et fondatrice de l'agence d'architecture d'intérieur Concept Linda Déco. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et surtout déclenche la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Rejoins-moi également sur Facebook et Instagram dont le nom c'est Concept Linda Déco où j'échange avec mes abonnés, mes astuces en déco, mes projets en déco, mes DIY, bref, ça parle déco. Rejoins la team. Pour faire ce DIY, je vais utiliser ce vieux carton de couche. Hein. Vous me connaissez, hein. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors, je vais commencer par ouvrir le carton et ensuite, je vais le plier comme vous voyez à l'écran, histoire de le rendre plus souple de manière à créer un contenant rond. Une fois que j'ai obtenu un truc à peu près rond, maintenant j'utilise du scotch pour consolider en fait le carton. Je vais prendre un bout de carton que je vais découper aux dimensions de mon petit panier, histoire de créer finalement un fond dans le panier. Pour fabriquer les codes de mon panier, je vais utiliser les sacs, vous savez, qu'on emballe souvent vos articles dans les magasins. Donc je vais procéder finalement à la découpe de petits bouts de papier. Ensuite, je vais les plier pour les rendre plus flexibles. Ensuite, je vais prendre à chaque fois trois bouts de papier que je vais faire des nattes en fait, tout simplement. Après une bonne heure, voici toutes les nattes que j'ai réussi à faire. Donc à présent, je vais les enrouler autour de mon panier à l'aide de mon pistolet à colle. Bon, en cours de route, j'avais plus assez de nattes, donc la flemme de refaire tout ça. J'ai préféré utiliser ma petite ficelle blanche qui traînait dans les placards. Et finalement, j'aime beaucoup avec la ficelle. Mais après, hein, vous avez le choix, hein, soit vous faites avec toutes les nattes, ou vous pouvez casser aussi avec des éléments que vous trouverez dans votre placard. Voici le résultat final. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment bluffant. On dirait même pas que c'est que du carton que j'ai utilisé. On dirait vraiment de la toile ou quoi. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Je suis impatiente de lire ce que vous allez me dire à propos de mon panier. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris plein de choses. En tout cas, n'oublie pas de me mettre un pouce vers le haut. N'oublie pas aussi de t'abonner et de déclencher la cloche pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Et bien entendu, rejoins-moi sur Instagram et Facebook pour échanger avec moi sur la déco. Comme vous savez, mes vidéos, ce sont les collages. Donc partage, partage, partage sans modération ma vidéo. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous samedi 10h pour une autre vidéo. Et pour ma team Concept Linda Déco sur Facebook et Instagram, je vous donne rendez-vous tous les jours pour des posts. Au revoir!